Je vais tenter de voler le setup Fortnite à Swen. Tu veux pranker le pranker professionnel? Tu sais pas qu'est-ce qui va t'attendre, t'es pas prêt. Attends, je sais pas qui le stresse là. Il est où mon PC, putain? Tu dors dehors et ça reste ici. C'est que là, je commence à chauffer par contre, j'ai... Le prank va commencer. Swen? Oui? Tu fais quoi cet après-midi? Je joue à FIFA. Tu joues à FIFA? Pourquoi? Tu vas dormir dans ta chambre? Non, je fais FIFA. FIFA, une petite sieste avant de partir. Je sais pas vers quelle heure. 17h à peu près. Bah non, c'est pour savoir. Tu veux faire vos valises? Non, on va les faire là. Il vient de fermer la porte, les gars. La voie est libre dans l'appart. Donc, en fait, Swen, là, il va aller se reposer parce que demain, on part à 4h du matin pour aller à Cannes en vacances. Donc, nous, là, ce qu'on va faire, c'est j'étais en train de filmer en mode vlog, comme cocher ma valise, etc. Mais les gars, la valise, on s'en bat les couilles. Ce qui nous importe, les amis, c'est de se venger. J'adore la vengeance, toi-même, tu sais. Je vous explique. Lors de ma dernière vidéo, quand j'ai voulu hack le compte Fortnite de Swen, Swen a volé ma carte bleue et a payé 190 balles de course avec ma carte. Tu savais quoi j'ai payé les courses? Non. Sa carte bleue. Ce qui veut dire, Swen, quand tu verras cette vidéo, t'es pas prêt. D'accord, t'es pas prêt à ce qui va t'arriver. Juste, tu vas voir le titre de la vidéo, ma mène. T'es pas prêt. Parce que le titre, c'est quoi? Je vais tenter de voler le setup Fortnite à Swen. Son PC, ses écrans, clavier, souris, qui reviennent dans son studio et qui est plus rien du tout. Je sais, c'est méchant. Je sais, c'est pas du tout bien ce que je vais faire. Théo est déjà au courant parce que Théo, bien entendu, c'est mon complice qui va m'aider à faire ça. Donc là, on va attendre aux alentours 20-30 minutes le temps que Swen fasse la sieste. Et on va commencer à aller en action. On va aller voir son setup Fortnite et on va tout voler, ma mère. On va tout cacher, vous êtes pas prêts. Alors, Swen, tu vas faire pranker. Comme d'hab, les amis, n'oubliez pas, l'abonnement, ça fait très plaisir. Le petit pouce bleu en l'air. Road to 1 million. On veut, les gars, le trophée en gold. Road to 1 million, les amis. Je compte vraiment sur vous, les gars. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Lâchez un like si vous kiffez les pranks. Et Zediba. Cette vidéo a été sponsorisée par la marque Realme. Ils m'ont tout simplement envoyé 3 téléphones à tester. Sur ces 3 téléphones, nous avons le 6, le 6i et le 6 Pro. Nous allons tout simplement les ouvrir et voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ces boîtes. On va commencer par le 6 Pro qui est le téléphone le plus haut de gamme de la marque. La boîte contient de base une coque spécialement pour le téléphone et en dessous se cache la bête. Les couleurs sont incroyables, nous pouvons reconnaître l'éclair au milieu de la coque. Il contient 4 caméras à l'arrière plus le flash et 2 caméras à l'avant. Ce qui est pour moi une première, j'ai jamais vu un téléphone avec 2 caméras frontales à l'avant. On part tout de suite voir le 6i qui a plus une couleur vert kaki avec une coque très originale avec des nuances autour du vert. Toujours les 4 caméras plus le flash à l'arrière et un capteur à l'avant. Ce qui est cool je trouve c'est que à chaque fois il y a une coque dans la boîte qui permet de instantanément protéger le téléphone. Comme ça il n'y a pas besoin de retourner au magasin ou d'acheter en plus avec le téléphone la coque. Le début de gamme avec le Realme 6i commence à 179€ au lieu de 199€. Le Realme 6 bleu qui est mon préféré, je kiffe trop cette couleur. On dirait vraiment qu'il y a un laser ou un effet d'éclair à l'intérieur de la coque, commencera à 199€ au lieu de 229€ et le Realme 6 Pro sera à 309€ au lieu de 349€. Ces téléphones ont tous un écran de 90Hz. Si on a qui sont intéressés par ces téléphones, il y aura un lien en description avec des soldes sur ces téléphones. Et merci à Realme d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'attends 20-30 minutes que les filles partent de la maison. Elles vont aussi préparer leurs valises chez elles. Donc je pense qu'on aura genre peut-être une demi-heure pour passer à l'action. Ouais. Il dort pas encore. Vous l'avez entendu ou pas? Il dort pas encore. En fait c'est chaud parce qu'il faut que je le fasse quand Swen dort et en même temps que les filles soient pas là. Je vois un entre-deux rikiki de ouf. Et en fait le délire c'est que son setup on va le vider. J'ai tout ventre. Son clavier ça sourit tout 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 mec. C'est le moment d'attendre. D'ailleurs les amis en attendant n'hésitez pas à rentrer le code créateur Unchain dans la boutique. Regardez il est marqué sur le mur. Code Unchain. Merci les amis en tout cas à tous ceux qui achètent des skins ou quoi de la boutique Fortnite, ça m'aide de ouf. Je vous love les gars, bande de déchaînés que vous êtes ma mène. Mec, il y a un PC. J'ai une idée. Quand je vais tout déménager son setup, je vais laisser un truc sur son bureau. Ce sera ce PC, ma mère. Genre, je le poserai comme ça. Tiens, voilà, c'est ton nouveau PC. Oulala, là là, on prépare la valise pour les vacances. Qu'est-ce que c'est lourd, ces habits. De toute façon, il y a suffisamment la place dans cette valise. Bon, Théo, cette fois-ci, tu vas être encore une fois mon complice. Et tu sais pourquoi je fais ce prank? Il faut que je me venge. Swen, il a volé ma carte bleue. Mais c'est à cause de toi, hein. N'oublie pas. Hein. N'oublie pas que c'est à cause de toi qu'il a ma carte bleue. T'as intérêt à beaucoup m'aider. Et tu dis rien du tout, d'accord? Donc, les gars, pour vous montrer. On a mis une caméra ici. Comme ça, si Swen y passe, on le voit. On a une caméra ici pour montrer le setup. Et ça, les gars, c'est ce qu'on va enlever. Tout. On va lui enlever le clavier, ça, les écrans. Et son PC Fortnite, ma mère. Comme ça, il pourra plus faire de live. Enfin, c'est ce qu'il va penser, qu'il va plus pouvoir faire de live.
Et on prendra aussi son trophée YouTube, mec, on le cachera. Swen, ça fait 45 minutes, on va dire, qu'il est dans sa chambre. Je pense qu'il a commencé sa sieste. Les filles sont parties, il n'y a plus personne dans l'appart. C'est y part. On fait le courant, tout débranché. Ah, on s'en bat les couilles, Arlène. On met ça où? En fait, c'est que là, on a toujours des cartons. Les cartons du déménagement, que ce soit pour le nouveau PC qu'a eu Théo, le meuble qu'on a monté, la chaise gaming que j'ai eu dans son appart, etc. On a toujours plein de cartons. Donc on va cacher tout son setup dans les cartons. Et quand Sony va se réveiller, qu'il va voir qu'il n'y a plus rien, que tout est vide, on va lui faire croire qu'on a sorti ça et qu'on a vendu ça à des abonnés. Alors qu'en fait, c'est encore dans son appart, dans les cartons. Mais ça, il sait pas. On enlève tout. On enlève tout. Tu voulais jouer à ça avec moi, hein? Tu voulais voler ma carte bleue? Tu veux pranker le prankeur professionnel? Tu sais pas qu'est-ce qui va t'attendre, t'es pas prêt. La team des benets, là. Ici, c'est la team des déchaînés. Et la team des déchaînés, qu'est-ce qu'elle fait tous les soirs? Ah, mais il peut plus rentrer le noscope maintenant. Comment il va faire pour se déplacer sur... Le mec il dort à côté, t'emballes. Ça va mec, il y a trois portes qui nous séparent. On sait qu'on est en train, je sais pas moi, de jouer à Fortnite. Oui c'est vrai, t'as raison. Ça les gars, c'est la souris des noscapes. Il y a des âmes dans cette souris, ma mère. Cette souris contient 10 000 kills, ma mère. Ça fait 3 ans et demi qu'il a cette souris. Depuis qu'il joue à Fortnite, il a pas changé de souris, ma mère. Regarde comme elle est dégueulasse, sa souris. Il y a 3 ans qu'il a sa boîte sur son bureau. On va même voler son Dyson. Ça coûte 600 balles. Je crois qu'il est en train de jouer à FIFA, mec. J'ai entendu le FIFA, genre des... Des commentateurs. J'ai entendu des commentateurs, je crois qu'il joue à FIFA. C'est-à-dire qu'il dort pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse moins de bruit. Parce que là, il dort pas. Il joue aux jeux vidéo. Bon, les gars, en vrai, on avait avancé. Hein. Faut enlever encore tous les câbles, les écrans, on a fini. Et si, il est là. On va enlever tout ça, on va mettre les écrans dans celui-là. Faites quoi? On va sortir ça pour que ça fasse Le bordel un peu. Si on part demain. Moi je vais essayer d'aller dormir, vous faites pas de bruit. Ok. Une sieste. Bon ben bonne dodo. Non mais gros carton, laissez-le là. Eh, hey, faites pas de bruit ce soir, je vous fais un petit hein. Non, t'inquiète. Si je me levais, c'est mort, je pourrais pas m'empêcher après. Dors. Va ma mère. Attends, non, pas. Quoi? T'imagines, c'est la porte, elle est toute ouverte. Elle était fermée là-bas. Voilà. Attends, je sais pas qui le stresse hein. Attends. En vrai mec, on a géré. Il est parti puis ça, on a géré. Il a rien vu du tout. Hein. Bah ouais, genre les cartons, ça fait 3 semaines qu'ils sont là. Donc si on dit qu'on les sort, c'est normal. En plus, on part demain en vacances, donc c'est normal qu'on fasse le ménage, tu vois. Oh merde. On a un problème d'écran, les gars. On s'est rangé quand même. Très lourd ces cartons. Tiens, j'ai chaud mec, il faudrait qu'on aille boire un coup là, dis donc. Il faudrait qu'on aille boire un coup. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Reste là, reviens. Quoi? Tu ne vas pas voir souris. Est-ce que tu me fais confiance? T'es un malin. Mais t'es un malade, mec, pourquoi tu fais ça? Non mais attends. T'es un malade. Il écoute la flash, frère. Bon, tout est enlevé, les gars. On va mettre un PC portable ici, quand il va revenir. Ah, tu laisses pas ça comme ça? Non, il va juste son PC. Genre, on va prendre ce portable-là, et on va le mettre à la place de son PC fixe. On lui a laissé la chaise, le bureau, et on, et viens, on branche une souris. Et on branche une caméra, là. Et voilà. Et on se barre. Désolé, la team Sonito, mais la team déchaînée, on va lui voler son trophée. On l'emprunte, d'accord? Soyez gentil, c'est une blague.
Tu me t'es chiné, t'as même glissé ma mère. Et abonnez-vous les gars. Comme ça, on a le trophée d'un million pour légendaire. On va réveiller Swen tout de suite. Il est encore en train de dormir là devant son truc de palmier de merde. Tiens, on lui met une musique hyper fort dans les oreilles. Et on le réveille comme on ça. On change la musique. Mais réveillez Swen. Il est en train de d'écouter sa musique de détente là. On va prendre la manette PS4, on va mettre son musique, ça va arracher les oreilles. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'entends pas! Pourquoi tu filmes? Bah parce qu'on fait une vidéo là. Faites quoi encore comme conneries? Mais c'est pas drôle, je vais dormir! Je vais dormir, rentre de connard! Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu dois rouler demain, c'est ça? Vous avez fait quoi? Mais rien! Rien, on a rien fait, mec! Non, mais on a rien fait! Non, mais tu filmes pas pour rien, connard! Mais non, mais je fais un vlog parce qu'on a préparé nos valises et tout, tu vois. C'est quelle heure? Attends, tu m'as réveillé parce que t'as fait tes valises? Oui. Non? Si. On est pris de la Non. Mais non, regarde, on a fait notre valise là. T'as vu, on a fait notre valise et voilà. C'est ok. Mais sinon, tu les mets dedans quoi. Non, je vais mettre dedans les vacances. Parce qu'on va vlogger durant les vacances, donc on a commencé le vlog. Vous avez fait une merde, c'est sûr. Non, je te jure, mec, tout est clean. Bah, vous m'avez réveillé parce que vous avez fait une valise, tu as dit. Mais non, mais c'était eux, ils voulaient mettre la musique chez parce que, bah, ils voulaient que t'aies le seum. Mais regarde, hé, tu veux voir le seum demain. Si on a un accident et qu'on fait un retour au lobby à cause de toi, tu vas voir. Non, mais va dormir. Tu regardes pas les toilettes. Non mais ta mère, vous avez fait quoi comme connerie? Mais on a rien fait. Dégage, Théo, faut que je dorme, putain. De toute façon, je me rends dans une pièce. C'est le fait quand j'ai le mot, je me défonce. Il est où mon PC? Il est où? Il va t'expliquer. Mais du coup, il est où? Bah, il est là, ton PC, tu vois. Attends, on va t'expliquer. Assis-toi, viens t'asseoir. Il est là, ton PC, mec. Regarde, il est juste là. Il est là, non, tu l'as. Non, viens voir, viens voir. Il est là, ton PC. Viens voir, écoute, assis-toi. Mais viens voir, de ta gueule, écoute, t'es magicien, il va réapparaître. Non, mais viens voir, on va, assis-toi, on va t'expliquer. Comment t'expliques? Non, mais tu le trouveras jamais. Non, mais il est où mon PC? Tu le trouveras jamais ici en fait. Non, tu peux pas le trouver, va t'asseoir. Assis-toi, attends. Non, mais assis-toi. Assis-toi. On va t'expliquer comment faire. Attends, vous filmez partout là. Mamène. Il est où mon PC? Mamène, c'est. Bon, écoute. Alors en fait, je me suis dit qu'il te fallait un nouveau PC parce que le tien il est un peu vieux, tu vois. Et donc je t'en ai racheté un nouveau. Et mes écrans et tout, ils sont où? Mais tu veux me parler? Bah, il est là, regarde là, t'as un écran et là t'as ton clavier. T'as les deux en même temps, c'est trop bien. Mais c'est deux en un. Comme un couteau suisse, tu sais. Ça, c'est pas mon écran et ça, c'est pas mon clavier. Par contre, la souris 20 balles, ça, vous l'avez pas changé, bande de connards. Bah non, parce que c'est. Mais après, on a rien. Vraiment, je rigole pas, il est mon PC. C'est quoi la vidéo? Et si c'est je vends le PC de Swen, crois-moi que toi, tu dors dehors. Là. Tu dors dehors et ça reste ici. Là, ça fait. Pourquoi il y a une caméra là ici aussi? Non mais alors ça, attends, mec, mon PC, ça c'est mon PC hein. Mais non, c'est mon PC. Ça c'est mon PC hein. Mais c'est mon PC ça. Non, maintenant c'est mon PC. Non, ça c'est mon PC. Mais non mais t'inquiète. En fait je t'explique, tu peux peut-être le récupérer ton PC, peut-être. De quoi peut-être? En fait, il y a une question. Mes écrans et tout aussi, hey, je fais tout. Hein. Ouais, mais tu sais, on avait besoin un peu d'argent parce que tu sais, t'avais volé ma carte bleue et donc j'avais plus trop d'argent. Donc j'ai dû aller revendre parce que. Bah, Bon, explique-lui. C'est que là, je commence à chauffer par contre. Non, mais les gars, vous parlez Tu sais, la dernière fois, il y a des abonnés, ils sont venus dehors, tu vois. Et les abonnés, ils jouent sur PS4. Donc ils leur ont dit, mais pourquoi pas, je vous donne le PC de Swen, tu vois, parce qu'il en a pas besoin parce qu'il en a un autre. Sauf que par contre, les écrans, je les ai vendus parce que comme ça, ça rembourse la carte bleue que tu m'as volée. Bah non, non, mais. Attends. Hey, gros, tu sais que là, j'étais en train de dormir en plus. Hein. Vous m'avez réveillé. Hein. C'est qui les abonnés? C'est lui qui m'a donné l'idée parce que je dis qu'il y a besoin d'argent, donc c'est lui qui m'a dit ben vend les PC à Swen, tu vois. Non mais l'abonné il est parti il y a pas longtemps, tu peux peut-être trouver la. C'est qui l'abonné? Bah je sais pas. Et mon clavier et tout là. Vous l'avez mis où mon PC? Mais après c'est pas grave parce que là on va partir en vacances. Mais j'en ai rien à foutre. Mais on va partir en vacances, on n'a pas besoin de PC en vacances. Mais... On lui dit ou pas? On lui dit ou pas que c'est pile à côté? Mais c'est quoi ce espace? Donne-le-moi. En fait c'est bon, sans mon cœur. Tu vois, là tu le sens plus. Je suis mort vivant. Alors donne-moi vite mon PC. Il est là. Non, y'a rien là. Y'a rien. Oh, tiens, t'as fait tomber tout. Oh. Non, mais c'était un emprunt, hein. T'inquiète, c'était un emprunt. Non, mais où mon PC, putain? On l'a caché. Mais caché où? J'ai fait tout l'appart, connard. Bah non. Je l'ai pas mis dans ma chambre. C'est impossible, je serais réveillé. T'as regardé le balcon? Oui, j'ai regardé.
Non mais les gars là, hein, vous êtes cru à Pâques ou quoi? Il est où mon PC? C'est où là? Non. Là. Il est où mon PC? Il est dans la porte. Il y a un endroit où t'as pas regardé. Mais il est dans les cartons. Non. Non. Je vais vous suicider. Je viens vous tuer. Non mais tranquille. Non mais j'ai tout fait, tenez-le moi. Ça c'est mes écrans. Ok, va mon PC, il est mon PC. Ton PC, on a vraiment vendu. On a vraiment vendu ton PC. Non, mais ta gueule, arrête, c'est pas drôle. Il vient d'arriver par la poste ce matin, ton PC. Ouais, il est arrivé tout à l'heure. On l'a déballé. On savait que t'avais pas aimé. Parce que, en fait, c'est l'abonné, il a redonné, il est pas. Ouais, il savait qu'il ne pouvait pas la PS4. Non, non, mais c'est quoi? Vous voulez du watch time? Et bien, vous allez le remettre. Comme ça, ça va vous faire du watch time. Et vous allez le remettre. Et plus vite que ça. Et toi, par contre, ta carte, elle va bouffer, je te dis. Quoi? Ma carte? Je me verrai une assiette. Juste pour ça, tu vas bouffer. Hein. Mais c'était marrant. Heureusement que l'abonné, il a pas aimé ton PC. Parce que sinon, je sais pas, tu l'aurais jamais eu. Hein. Bon, mais bisous, Swen. Bisous, Swen. Repose-toi bien. Et vous remontez tout, hein, je vous préviens. T'inquiète pas. Bonne nuit. Et à 150 000 pouces bleus, moi, je te fais une putain de crasse. Ouais. On va voir si tes abonnés, ils veulent que je te fasse des crasses ou pas. Non, allez, non, mes abonnés, mais. Une très grosse crasse. Et abonnez-vous aussi. Vous lâchez pas trop de likes, hein? Parce que vous êtes mes abonnés à moi. Moi, je me suis vengé parce que Swen avait volé ma carte bleue. Il a fait 190 balles de course. Bon, ben les amis, nous voilà dans le setup de Swen. Je pense que c'est un excellent prank, ma man. En vrai, il a vraiment eu le seum. Ça se ressentait vraiment qu'il avait le seum. Ouais. Donc bon, ça a fonctionné parce que moi, quand il a volé mes 190 balles, j'avais vraiment le seum. Et puis voilà. GG Théo, merci. GG ma man. Bon, tu fais pas de crasse en lien avec Swen maintenant. Non. Tu restes avec moi, toi. Attention. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais faire pipi, mais avant ça, je vais vous niquer, vous deux. Non, mais tranquille, t'inquiète pas, mec. Surtout toi. Pourquoi? Toi, toi, on doit encore te niquer, toi. Toi, t'es dans la mer. Mais toi, je te rappelle que c'est moi qui t'aide pour tes pranks. Oui, mais je te rappelle que c'est toi qui as donné le code de la carte bleue à Swen pour que Swen vole l'argent. Ah, mais après, il a bien négocié, tu vois. C'est à toi de lui négocier la prochaine fois. Je joue pas le malin. C'est quoi, mec? C'est toi qui refais tout le PC à Swen. Allez, bon courage, moi je vais dormir. Tu bailles? Si, mec.